Découvrons à présent un Camerounais pour qui l'excellence et la passion sont des leviers essentiels pour la réussite. Il a contribué par ses travaux à la naissance de la carte SIM. Il est le premier Africain à avoir fait partie d'un pool de la NASA aux États-Unis. C'est un Camerounais, je vous l'ai dit, né à Bapa et en fait ses études ici à la Briqueterie, mais que l'on connaît également pour une thèse très importante sur les télécommunications spatiales. Ernest Simo est notre invité de la rubrique Success Story. Il se dévoile dans cet entretien portrait qu'il a consacré à Mervelyne Tabu. Je suis Ernest Simo. Je travaille dans les secteurs de sécurité nationale, la défense, aussi bien que les secteurs civils aux États-Unis. J'ai été donné comme un petit cadeau dans un petit village qu'on appelle Bapa, à côté de Baham, Badjoun, à l'ouest du Cameroun. Mais j'ai grandi quand même ici, à Yaoundé, ici même, à la Briqueterie, où j'ai fait toutes mes études élémentaires. Papa est décédé depuis un bon bout de temps. Il était agriculteur de café dans la région de l'Ouest. Ma mère biologique est encore là. Elle me soutient très fortement. Et puis mes mères et la communauté qui m'a supporté, elle est encore là. Ma grand-mère, pour moi, c'est une mère sainte. Parce qu'elle, elle représentait pour moi un père et une mère en même temps. Et elle m'a donné des conseils très précieux qui ont effectivement consisté à être des fondations, des principes de base pour ma conduite adulte. Je suis allé à la maternelle dans les années 63-64, à l'école principale des Koudou, ici, à la Briqueterie, à Yaoundé. J'avais une curiosité intense des caractères et même de la langue française, en réalité. En 66-67, quand j'ai eu l'entrée en 6e au lycée général Leclerc. Mais c'était effectivement un nouveau monde, un nouvel univers pour moi, parce que là maintenant il y avait beaucoup de jeunes Français, les Grecs, les expatriés qui étaient ici ne pouvaient envoyer leurs enfants qu'au lycée général Leclerc. Et sortant la Briqueterie, c'était donc un brassage de culture qui m'a aussi formé très 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 rapidement. Le brevet, ça devait être dans les années 69-70. J'ai obtenu un très bon baccalauréat j'ai aussi eu en même temps un concours qui était organisé par The British Council. J'avais 18 ans à peu près. Je suis parti à Londres et en 3 ans, j'ai eu une licence en génie électrique et électronique. Et j'ai fait une maîtrise en télécommunication par satellite. Et j'ai fait un doctorat approfondi dans la théorie des ondes électromagnétiques en général. Avec un appui sur la compréhension des télécommunications spatiales. Après la Grande-Bretagne, je vais vous dire quand même une petite parenthèse. Après un master, je suis revenu au Cameroun. Et c'était en 79. Et j'étais chef de service au ministère des Postes et Télécommunications. Et en même temps, j'étais vacataire professeur à l'École nationale supérieure des Postes et Télécommunications. À l'époque, j'avais à peu près 22 ans. Et j'ai formé l'une des premières promotions dans le secteur de transmission. Après 6 mois, je suis rentré en Angleterre parce que le ministère de la Défense britannique avait octroyé une bourse
pour que je continue ce genre de recherche. Je suis parti faire un doctorat dans cette matière. Je vais aux États-Unis en 1983 et je commence déjà à donner des cours à la prestigieuse école de George Washington University dans le domaine de Continuing Education Engineering. C'est pour les cadres des États-Unis qui viennent prendre les formations techniques de pointe. Et mon domaine, c'est tout le domaine satellitaire. Et encore là, je peux vous dire qu'il y avait une très grande confusion parce que tous ceux qui participaient à mes cours avaient au moins 4 à 5 ans d'âge au-dessus de mon âge. Mais ce qui m'a toujours guidé, c'est la logique de la pensée, le raisonnement. Mais les gens qui m'ont beaucoup inspiré sont des gens comme Martin Luther King. J'ai presque lu toute la bibliothèque de Martin Luther King quand j'étais étudiant. C'est une époque qui était tourmentée. Il y avait naturellement à l'intérieur des États-Unis ces problèmes de race qui continuent. Comment s'insérer dans cet environnement? Alors je me suis établi certains principes. Et ces principes étaient basés sur 5 piliers. Le premier pilier, c'est celui-ci. Si vous rassemblez les gens dans un terrain du football et vous demandez à l'humanité quel est votre problème, elle va vous dire, wow, les Noirs contre les Blancs. On va dire, d'accord. On va éliminer tous les Blancs. Les Noirs, maintenant, quel est votre problème? On dit, il y a des chrétiens et les musulmans. On enlève tous les musulmans. On dit qu'il y a des catholiques là et les protestants. Vous laissez seulement les protestants. Ils vont dire qu'il y a les femmes et les hommes. Et vous enlevez toutes les femmes. Les hommes vont dire, ben, moi je suis un prince, je suis de la famille royale et toi tu es un petit cultivateur. C'est les classes. On enlève tous les pauvres. On va dire que, bon, mais celui-là, il est de l'autre côté du village. Moi, je suis de ce côté du village. Donc, ce que j'ai compris, que les problèmes de l'humanité, c'est les problèmes de race et de culture, de tribu, les problèmes de genre, les problèmes de religion, les problèmes de classe sociale et la différence d'âge, de génération. Et vous allez voir que tous les débats politiques du monde entier jouent autour de ces 5 éléments. Moi, je crois intrinsèquement que tout le monde, nous avons les mêmes vertus qui ont été données par notre Créateur. La preuve, chacun n'a que 24 heures par jour. Vous pouvez être le président des États-Unis, vous avez 24 heures, comme le clochard qui se promène dans les rues de la briqueterie, il a aussi 24 heures. Donc, pour moi, c'est ce genre de principe qui m'ont aidé à me créer un monde virtuel dans lequel je me disais que seules les valeurs de l'excellence et de la passion peuvent effectivement bouger les guilles pour avancer vers un monde meilleur. Et c'est un peu cela qui m'a permis de me déclasser un peu pour me percevoir comme un citoyen de l'humanité. Je suis extrêmement reconnaissant aux États-Unis d'Amérique de m'avoir adopté et accepté avec les bras ouverts. Une fois, j'étais dans un débat où on parlait de la fuite des cerveaux d'Afrique. C'était sur Voice of America, c'était la voix de l'Amérique. Voilà. Et j'ai pris la contrepartie pour dire qu'il n'y a pas de fuite de cerveau d'Afrique vers l'Europe.
Pourquoi? Parce que les avocats ou les scientifiques que vous voyez aux États-Unis ou en Europe étaient des étudiants moyens ici. C'est quand ils sont arrivés là-bas qu'il y a eu de l'engrais pour permettre à la semence de pousser. Il y a des génies qui meurent ici, là, partout en Afrique. Mon problème, c'est que l'Afrique n'arrive pas à nourrir, encadrer ses génies. Alors, la différence pour moi, c'est que j'ai eu cette chance que les États-Unis m'ont donné tout l'engrais nécessaire pour que cette graine s'épanouisse. C'était une compagnie à côté de Washington DC, dans l'état du Maryland, qui s'appelait Hughes Network Systems, une compagnie spécialisée dans les télécommunications par satellite. Et mon rôle, c'était effectivement de faire partie d'une équipe qui avons développé les technologies VSAT, Very Small Aperture Terminals, ce que veut dire VSAT, que l'on utilise partout dans le monde aujourd'hui. L'une de mes conférences avait été lancée effectivement par ma contribution dans cette technologie VSAT, parce que après l'avoir démontré, plusieurs pays du monde entier voulaient l'utiliser. Il fallait donc enseigner et former les cadres dans des pays comme la Chine, l'Israël, l'Argentine, le Japon, l'Angleterre, pour utiliser cette technologie. Et j'étais donc envoyé comme conférencier dans ces pays pour former les cadres afin qu'ils puissent exploiter cette technologie. Travailler à la NASA n'est pas en soi un exploit extraordinaire. Mais ce qui a fait notre différence, c'était que nous étions des finalistes pour la sélection des astronautes. Ça, c'est là, ça fait beaucoup de différence. Et puis, il faut aussi comprendre qu'à la NASA, il y a deux couloirs. Il y a des couloirs qui développent la technologie d'envoyer des engins dans l'espace. Dans mon couloir, c'était envoyer l'homme dans l'espace. C'est le domaine le plus compliqué de la NASA. C'est ça qui fait la nuance. Oui, effectivement, j'étais le premier Africain à avoir franchi ce cap, et je le demeure d'ailleurs. C'est un peu des événements aléatoires, parce que j'étais conférencier et j'enseignais les télécommunications par satellite, précisément, dans tous les centres de la NASA aux États-Unis. Et l'un des directeurs qui s'occupait du programme spatial m'a donc rencontré et m'a demandé si j'avais été intéressé par le programme spatial. Je lui ai dit, moi, je ne savais pas comment on fait pour venir à la NASA. Il a dit, bon, ben, il faut venir me voir à Houston, au Texas, et on va te donner les procédures pour faire ta demande. Et ce que j'ai fait, c'est en 93. Et je me suis présenté et il m'a dit, bah, écoute, il y a 7000 candidats pour qu'on retienne 8 personnes. J'ai dit, mais est-ce que ça vaut la peine? Et le monsieur, il s'appelle Dwayne Ross. Il a dit, docteur, je n'ai jamais vu un astronaute qui n'a pas fait de demande. C'est-à-dire que si vous ne faites pas de demande, vous n'irez nulle part. Il faut le faire de toute façon. C'est comme ça que j'ai fait mes formulaires de demande. L'un des premiers obstacles, c'est qu'ils devaient retracer, comme vous le faites d'ailleurs, le parcours et un casier judiciaire de l'enfance jusqu'en 1993. Ça a pris 6 mois. Et ça a été bien. Et on est parti de 6000 à 3000, de 3000 à 1000, de 1000 à 100, de 100 à 20, et puis des étapes comme ça.
Et j'étais effectivement retenu. Ici, je donne l'hommage aux membres de l'équipage Columbia qu'on a perdu en 2003. C'était avec le pilote qui s'appelait McCool. Le commandant de bord qui s'appelait Rick Husband était aussi de cette génération. Eux, ils étaient des pilotes de l'armée de l'air américaine. Moi, j'étais plutôt un scientifique. Voilà un peu comment je suis arrivé à la NASA. Un peu de chance, mais aussi, il faut être préparé. Ça veut aussi dire que la chance, c'est quoi? C'est quand une opportunité se rencontre avec une préparation. Si vous êtes préparé et l'opportunité ne vous est jamais présentée, il n'y a rien qui va se passer. Si on vous donne les opportunités tous les jours et vous n'êtes pas préparé, ça ne se passe pas aussi. Donc, quand vous avez cette chance qui est un croisement de la préparation et de l'opportunité, il y a beaucoup de choses qui se passent. Et c'est encore ce que je voulais qu'on donne, qu'on accorde à notre jeunesse camerounaise. En 91, bien avant la NASA, l'Europe avait créé un comité pour lancer un système mobile qu'on appelle le GSM. Les États-Unis étaient déjà très très bien connectés avec les réseaux fixes et n'avaient vraiment pas un intérêt particulier. Mais quand ils ont vu que c'était un marché porteur, ils ont donc décidé de créer une technologie alternative parce qu'on ne pouvait pas seulement embrasser la GSM parce qu'ils avaient déjà les droits d'invention, les patentes et ceci. Donc il fallait maintenant que les États-Unis développent une autre technologie alternative qu'on a basée CDMA, Code Division Multiple Access, l'accès multiple par division de code, ce que ça veut dire. Le SIMCA dont on parle, Subscriber Identification Module, c'est le module qui identifie le profil de l'utilisateur. Et le système européen a décidé de séparer ces deux éléments. Le système américain a décidé d'intégrer les deux éléments. Et c'est dans le système, dans le processus d'intégration dans le système américain que j'ai donné la plupart de mes contributions dans la définition des codes qu'on fait là, dans la définition du codage qu'on fait dans ce système. Et puis après, j'ai naturellement donné des conférences partout dans le monde pour former les cadres dans plus de 25 pays du monde entier pour qu'ils comprennent très bien comment cette architecture était conçue. Quand je suis entré au lycée, comme je disais, j'avais des prix d'excellence de 6e en terminale. En Angleterre, j'ai aussi eu beaucoup de prix de British Aerospace, la compagnie aéronautique britannique m'a donné un prix pour mes recherches dans des domaines de télécommunications spatiales. Aux États-Unis, j'ai eu beaucoup de prix, toujours les prix d'excellence et d'appréciation d'innovation dans les domaines de la technologie. J'ai même eu un prix du Pentagone il y a 2 ans sur un projet qu'on appelle Pathfinder, c'est-à-dire la découverte sur un projet qu'on avait conçu pour un système de drones pour le Niger, pour essayer de combattre les insécurités qui se présentent là-bas. Et j'étais l'un des concepteurs de la solution des drones qui a permis à l'armée américaine de voir ce qui se passe au niveau du territoire du Niger. J'ai eu un prix ici dernièrement, en 2013, je suis venu, c'était une conférence organisée par la ministre Madeleine Chouinté et elle m'a donné ce qu'on a appelé le prix d'excellence, le lion indomptable de l'excellence scientifique, quelque chose comme ça. Et je peux dire le dernier prix, c'est ce que vous m'offrez là, le temps qu'on est en train de passer, parce qu'il ne faut pas oublier ce temps. Le temps est très précieux. Et chaque moment, nous devons nous évertuer à l'exploiter au maximum. Le conseil que je donne à la jeunesse camerounaise, c'est d'abord que
les résultats se trouvent au bout du travail. Deuxième conseil, c'est dire que le mot échec et le mot obstacle ne devaient pas être considérés comme des problèmes, parce que dans la vie, nous ne sommes pas au paradis, on s'attend à des échecs, on s'attend à des obstacles. La vraie tragédie de la vie, ce n'est pas l'échec, c'est de ne pas essayer de son mieux. Ne vous laissez jamais vous dérober de votre rêve. Accrochez-vous jalousement d'ailleurs à votre rêve. What I wanted to say is this. Stick to your dream and never let anyone take your dreams away from you. Si vous nous rejoignez à l'instant, sachez que nous sommes toujours en compagnie du docteur Ernest Simo. Il est le tout premier Africain à avoir été retenu pour les concours d'astronautes à la NASA. Là, on était en 94 et en 96. C'est bien ça. Vous n'y êtes plus aujourd'hui, mais... Voilà, après ce parcours à la NASA, j'ai éventuellement rejoint un département particulier du Pentagone qu'on appelle DISA. D-I-S-A, c'est Defense Information Systems Agency. C'est ce département-là qui s'occupe des réseaux de télécommunications et les réseaux informatiques du Pentagone. Et dans mon domaine particulier, je m'occupais des réseaux satellitaires. Aujourd'hui, vous consacrez votre vie professionnelle à l'économie numérique. C'est d'ailleurs pour ça que vous êtes au Cameroun. Oui, une grande partie de mes intérêts sur l'économie numérique, parce que je vois cette économie numérique comme une transition et une lueur d'espoir pour la jeunesse africaine. Quelles sont les leçons que l'on peut retenir de ce riche parcours qui est le vôtre? La première leçon, en réalité, il faut se décomplexer. Ne vous sous-estimez jamais. Et vous n'avez rien à envier à quiconque à travers le monde entier. Ça établit la base de départ. Et à partir de cette base de départ, il faut travailler dur. Et puis la troisième chose, c'est ne pas se décourager. Il faut être persévérant. Parmi nos téléspectateurs ce soir, on a sans doute des milliers de jeunes qui vous regardent, qui rêvent, qui souhaitent réussir aussi dans ce qu'ils entreprennent, mais qui n'en ont peut-être pas les moyens. Qu'est-ce que vous leur dites? Ils n'ont pas tous les facteurs nécessaires pour réussir, parce qu'il faut une composante de la communauté, il faut une composante du pays même, et il faut une composante du monde mondial. Et il faut que toutes ces composantes concourent pour aider le jeune Camerounais ou le jeune Africain, le jeune entrepreneur à réussir, et ne pas se laisser distraire ou décourager par la multitude d'informations qui circulent au quotidien. Accrochez-vous à vos rêves, c'est ça l'important. Accrochez-vous à vos rêves, mais passez quand même à l'action, parce que sans action, même les meilleurs rêves ne se réaliseront jamais. Il faut quand même passer à l'action. Et si, de manière fortuite, je peux aider de quelque façon que ce soit, je n'hésiterai pas à le faire. Et j'invite naturellement la communauté adulte camerounaise, la communauté du patronat camerounais, de répondre présent aux appels de cette jeunesse camerounaise. Et on va sortir par votre message de fin. Vous me permettez de symboliquement m'agenouiller devant les Camerounais pour vous demander d'apprendre à vous respecter, à nous respecter les uns et les autres, et d'une. Et d'autre, donner à tout un chacun l'espace nécessaire pour se sentir Camerounais à part entière. Troisièmement, nous joindre et profiter de notre diversité, tout bord confondu, pour poursuivre un destin avec fierté et peut-être même jalousie.
Merci, docteur Simo, d'avoir accepté de répondre aux questions de l'émission Carrière. Merci. Nous vous souhaitons bonne continuation dans votre carrière. Bon retour aux États-Unis, parce que vous n'êtes pas là pour longtemps, surtout. Merci bien. Allez, à très bientôt. Merci, je vous remercie. Merci encore. Merci.